Il croit qu'il peut se battre comme son grand-père. T'es mort, Belcher! Ça suffit! Allez-y, continuez, je rendrai visite à vos pères les uns après les autres. Dans la vie, la seule façon de se protéger, c'est de combattre. Il n'a pas ce qu'il faut pour devenir comme toi. Laisse-lui le temps. Tu seras un grand combattant. Écoute plus loin. Mesdames et messieurs, un certain Jem Belcher. Je parie sur le pégal. On a battu un combattant plus fort et plus expérimenté en te servant de ta caboche. Viens me voir. Et je te mettrai au sommet. Le combat permet à un pauvre de devenir un prince. Est-ce votre premier contact avec la haute société? C'est le cas. Oh. Tu finiras comme ton grand-père. Je suis pas comme lui, maman. Attention, faites attention! Tu devrais avoir honte! Laisse-moi tranquille! Pas! Rushworth considère les combattants comme un moyen de gagner de l'argent. Laissez-moi vous présenter Henry Pierce. Tu n'as jamais combattu quelqu'un comme lui avant. Il va venir te chercher. Il faut que tu te demandes... Est-ce que tu veux vraiment ça? Le combat du championnat. On en parle dans tout le pays. T'es un vrai combattant. Non, j'ai déjà suffisamment lutté, non? Il croit en toi, Jem. Comme nous tous. Il faut savoir qui on est dans la vie. Quand ta tombe est remplie et que ta chair pourrit, tout ce que tu laisses derrière toi, c'est ton nom. Jem Belcher! C'est toi seul qui décides quel genre d'homme tu veux être. Une chance. Un combat. Tu pourrais être champion d'Angleterre.